Votre vie pourrait être, ici, à Genève, pourrait être considérée comme une vie dans un territoire hostile. Parce que votre maladie rend la vie de tous les jours et le contact avec la vie de tous les jours parfois compliqué. Et que finalement, nous, en allant comme ça dans la forêt équatoriale avec vous, on fait symboliquement, c'est un peu la même chose, on va tous se mettre en contact avec un territoire inhospitalier. Puis l'idée, c'est de se dire, on peut traverser des territoires inconnu et hostile, et en ressortir grandi. Moi, par exemple, avec mon trouble, parfois, j'ai pas l'impression que je suis borderline, même si, ma foi, j'ai quand même des fois les émotions qui partent dans tous les sens quand je suis pas bien. Mais quand je vais bien, je suis quelqu'un comme tout le monde, quoi. Désolé de le dire comme ça, mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça. Tiens, allez, ta gueule avec tes voix. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, des fois, quand on donne des médicaments. Cette mascarade, cette guérison. Je cherche pas à me guérir, on cherche juste à me filer des médicaments. J'ai très bien compris. Vous n'allez pas me faire changer d'avis, ça, je sais très bien. Vous êtes vraiment aujourd'hui dans une aventure et c'est pas un vain mot que de dire que vous allez vivre une expérience quasi unique. Voilà.